Donc, euh, en général, le, le pire euh, vient de, de l'Ouest et le meilleur aussi, peut-être. Euh, mais déjà, on voit ça aussi, euh, malheureusement, en France, euh, avec les chaînes d'information, on continue ce genre de choses, ok Mais donc, là, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est cette sempiternelle question. Ah là là, il suffit que je fasse une vidéo pour que je reçoive des notifications. Oui, donc, c'est cette sempiternelle question, mais si il y a des civilisations extraterrestres qui nous visitent pourquoi ne se posent-elles pas sur la pelouse du, euh, de la maison blanche? cette question est d'une stupidité sans nom mais en même temps elle illustre notre niveau d'immaturité parce que dans mes vidéos je le, je le dis souvent je dis que nous sommes une humanité, une humanité pardon, immature je m'inclus évidemment dedans euh, et ce qui est pas une, une vision critique dans le sens négatif, mais de auto-analyse, d'accord, de, de vision des faits, tout simplement. Pourquoi Parce qu'on ne va pas euh, regarder de haut un enfant parce qu'il est immature. C'est normal, c'est un enfant, il est immature. Donc nous-mêmes, notre humanité, elle est en réalité encore récente au regard de l'existence de notre planète, ne serait-ce que ça, et encore plus de, de l'univers. Et donc... Nous sommes encore jeunes en réalité. Et donc une humanité jeune a encore beaucoup d'immaturité et manque encore de, de maturité. C'est normal. ok Mais il est important de s'en rendre compte et d'avoir toujours cette euh, prise de conscience en tête que nous sommes immatures. Parce que c'est un, un prisme, une grille d'analyse qui, qui nous permet de voir ici et là la, 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 la stupidité ou comment dire... l'immaturité tout simplement de, de certains... Propos, et ici donc sur la question extraterrestre. Alors, <coughs> tout d'abord, et donc ce que je voudrais dire, c'est que cette question à laquelle je vais essayer de, de répondre illustre de mon point de vue notre immaturité. Okay c'est une illustration, cela montre notre immaturité. Si nous étions une, une humanité plus mature, nous ne, poserons, nous ne poserions pas cette question parce qu'elle est, euh, est insensée. Alors, premier élément de réponse l'humanité je viens de le dire est récente dans l'existence de la planète et l'existence de la planète est récente relativement euh, par rapport à l'existence de l'univers okay le temps est relatif donc comme nous sommes une humanité immature nous ramenons toujours tout à nous d'accord et nous avons beaucoup de difficultés à sortir de nos schémas mentaux pour imaginer ne serait-ce que ça qu'il est possible qu'il y ait d'autres euh, mesure du temps, en l'occurrence, ainsi que, que d'autres idées, d'autres notions, d'autres valeurs, etc. Okay d'autres points de vue qui peuvent être très différents, véritablement différents, très différents du nôtre. Okay en particulier, quand on parle de, de civilisations extraterrestres supposées, on peut quand même imaginer qu'ils ont euh, une vision du monde, une compréhension du monde, un point de vue euh, assez euh, éloigné, voire très éloigné du nôtre. Okay Normalement quand on réfléchit un peu. Donc le temps est relatif et notre humanité est jeune. On peut supposer que si des civilisations extraterrestres avancées nous visitent, elles ne nous visitent pas nécessairement depuis hier, d'accord Et peut-être qu'elles visitent la planète Terre depuis des temps immémoriaux, y compris avant l'apparition de l'espèce humaine, de l'espèce humaine. Et que peut-être elle a pu voir évoluer cette espèce. À une autre époque, ce qui dominait la Terre entre guillemets, c'était peut-être les dinosaures, parce que c'était les plus gros animaux, les plus puissants, etc. Aujourd'hui, ils ont disparu. Ce n'est plus que des fossiles dans des musées, etc. D'accord Et de la même façon, aujourd'hui, peut-être de notre point de vue, c'est l'humanité qui domine la Terre, euh, mais on est peut-être qu'un un épiphénomène et un phénomène relativement court dans l'histoire de notre planète et encore plus de l'univers. Ok Donc si des civilisations extraterrestres visitent la Terre depuis des temps immémoriaux, nous sommes qu'un épisode passager. Nous n'avons pas la même importance euh, pour eux que nous en avons nous-mêmes pour nous. Okay et donc venir se présenter à nous n'a aucune espèce de signification que venir se présenter aux dinosaures ou aux fourmis qui existent depuis euh, le début de la vie ou quasiment, etc. Et qui ont, ont survécu euh, à tous les cataclysmes jusque-là. Okay donc de notre point de vue... Nous sommes les plus évolués, nous sommes les, les maîtres de la Terre, les plus intelligents, etc. etc. Mais peut-être que d'un point de vue d'une civilisation extraterrestre suffisamment avancée pour venir nous visiter, nous sommes simplement comme des fourmis. Quoi. Oui, les fourmis sont organisées, elles sont avancées, elles, elles construisent des choses, elles, elles font la culture des champignons, etc. C'est etc. quand même une espèce euh, évoluée dans, dans un certain niveau. On peut penser que nous, nous sommes plus évolués que des fourmis, mais peut-être que du point de vue extraterrestre, nous ne sommes évidemment peut-être plus évolué que des fourmis, mais très loin d'être évolué de leur point de vue. Okay Premier élément de réponse. Donc il faut arrêter de ramener tout à soi et la mesure du temps n'est pas pareille pour les humains et même les humains entre eux en réalité, parce qu'il y a le calendrier grégorien, il y a le calendrier lunaire utilisé par les Chinois et au travers du temps il y a eu différentes mesures du temps. Okay euh, première chose. Donc pour les extraterrestres, le temps est tout à fait différent et peut-être que la centaine de milliers d'années... Pendant laquelle l'humanité s'est développée, eh bien c'est comme une journée pour eux, d'accord Donc un épi phénomène, y compris au niveau du temps. Deuxième élément de réponse, cette question est stupide parce qu'il faut d'abord essayer d'imaginer quels peuvent être les différents scénarios, scénarios des, des intérêts de ces civilisations extraterrestres. Si l'intérêt est euh, scientifique, on peut imaginer qu'ils ne veulent pas interférer avec leur sujet ou le moins possible. Pour pouvoir l'étudier sans le perturber, parce que se présenter aux humains va forcément bouleverser euh, l'organisation sociale mondiale et, et l'humanité euh, dans sa prise de conscience et dans, dans son fonctionnement jusque-là. Donc, si c'est pour des raisons sociales, euh, scientifiques et sociales aussi peut-être, euh, scientifiques, sociologiques, disons, qu'ils nous visitent, ils vont pas interférer avec l'humanité. Ok, comme nous, on essaye d'interférer un minimum quand on essaye d'étudier des des civilisations, comment dire, des, des tribus euh, d'Amazonie ou, ou que sais-je, même, même des animaux. On essaie d'interférer le minimum possible, on se cache, on utilise euh, de la distance, etc. Euh, tout un tas de mécanismes, ok Donc il en va de même, et encore plus, je dirais, pour une civilisation extraterrestre qui aurait des buts euh, scientifiques. Deuxièmement, si le but n'est pas scientifique mais que c'est un but de domination, comme nous sommes une civilisation immature, nous imaginons que la confrontation, et l'invasion se fait nécessairement par la force, comme aujourd'hui, par exemple, avec euh, le cas euh, russe par rapport à, à l'Ukraine. Mais ces conflits résultent, encore une fois, d'une grande immaturité et une civilisation plus avancée, nous pouvons le penser, à des façons beaucoup plus subtiles euh, d'envahir si c'était le, le but. Hein, J'en sais rien du tout, c'est juste une, une supposition ici. Et donc, forcément, si leur but est d'envahir de, et de dominer l'humanité, ils ne vont pas se présenter à l'humanité comme ça, de façon ouverte. Au contraire, ils vont se cacher et ils vont agir par des moyens détournés, des, des tactiques secrètes, cachées, afin de voilà d'arriver à leur but. Alors que se dévoiler, c'est prendre le risque qu'il qu y ait une prise de conscience et peut-être, parmi la population, certi, certains qui vont peut-être adorer, d'accord, ce qui peut aller dans leur sens, et certains qui vont détester. Une, certaine, une forme de, de racisme anti-extraterrestre, on peut l'imaginer. Et donc ça, c'est créer des problèmes supplémentaires pour eux, d'accord Et eux, ils ne veulent pas avoir de problèmes euh, si leur but est de dominer, ils veulent que ça se passe le, le plus facilement possible, avec le moins d'efforts possible, et donc rester caché est la meilleure solution. Voici pour ce deuxième élément de réponse. Troisième élément de réponse, et là, euh, peut-être que je vous demande une once d'imagination plus importante encore, c'est que des civilisations extraterrestres avancées y compris au niveau de l'éthique peut-être de la spiritualité euh, de l'intelligence etc auraient pour règle de ne pas interférer avec une humanité euh, encore immature qui se développe pourquoi parce que ça peut changer le cours de l'histoire et euh, ça peut interférer voilà avec le, le déroulement naturel euh, d'une civilisation qui se développe donc sans forcément avoir des buts agressif et sans forcément avoir des buts, des buts scientifiques mais simplement d'observation pour éventuellement plus tard une prise de, de contact une fois que euh, la, une, une certaine maturité sera atteinte eh bien on peut imaginer que des, des civilisations bien intentionnées et pour règle de ne pas simplement interférer avec une humanité pour lui laisser le cours naturel de son développement et dernier point peut être parmi d'autres points auxquels je n'aurais pas pensé ou ou que je vais éluder dans cette vidéo aussi, c'est que il est possible, et en réalité c'est le cas, que des civilisations extraterrestres soient rentrées en contact avec l'humanité, mais pas de la façon absolument idiote et immature telle qui est posée dans cette question, en venant atterrir devant la Maison Blanche. Dans les faits, des civilisations extraterrestres sont rentrées en contact avec l'humanité par des biais que j'ignore nécessairement parce que c'est caché, et par d'autres biais qui ont fait surface, notamment au travers de ce qu'on appelle les, les contactés, contactés donc par des civilisations extraterrestres, ou par les enlevés, les expérienceurs, ceux qui sont enlevés par des extraterrestres. C'est une forme de contact, malgré tout. Mais ça, notre humanité immature l'ignore, l'ignore au double sens de ne, de ne pas être au courant, et, et au double sens de quand elle est au courant, elle, elle, le, elle le dénigre, elle le... Elle, elle, elle le met de côté comme si ça n'existait pas, comme si c'était de, de la fabulation. Alors que ce qu'il faut faire, c'est que, évidemment, dans tous les cas, il y a peut-être de la fabulation, il y a euh, je ne sais quelle plaisanterie, etc., voire des. des euh, comment s'appelle Des cas psychiatriques, mais tout ceci n'explique pas la totalité euh, des expériences rapportées. Et donc, une humanité mature ne cherche pas à dismiss, comme on dit en français, à écarter tous les cas en disant euh, c'est que des conneries, mais au contraire, essaye sans a priori. De faire un travail de recherche scientifique, qui a été fait par certaines personnes, je vais y revenir, pour savoir si ici. Elle m'énerve cette lampe, là, n'arrête pas de bouleguer. Pour savoir si ici c'est un phénomène réel ou pas. Et donc il y a des personnes, du coup je suis un peu plus en l'ombre. Et donc il y a des personnes de formation scientifique qui ont fait ce travail, tel que John Mack, qui malheureusement est décédé depuis, mais qui était un éminent professeur et psychiatre. Dans l'école prestigieuse de Harvard, et qui a fait donc un travail euh, sans a priori. Enfin, au début, il avait un a priori comme tout un chacun, parce qu'on est conditionné socialement à penser que ce n'est pas un sujet, ou que c'est un sujet de moquerie, etc. Donc il, est, il avait ses bases au départ, mais très très vite, puisqu'il a une formation scientifique et, qu est, et que c'était quelqu'un de sérieux, eh bien il a été euh, confronté au cas, il a étudié, euh, non seulement aux États-Unis, mais à travers le monde, et de tous les âges, de toutes les générations, et de tous les, les milieux sociaux, culturels, religieux, etc., pour se rendre compte qu'effectivement, les gens, et je parle ici de, des cas d'abduction, de, d'enlèvement par les extraterrestres, pour se rendre compte, au final, que ces gens n'avaient pas de conditions psychiatriques, ok Ce n'étaient pas des affabulateurs, mais c'étaient des gens qui étaient persuadés d'avoir vécu ce qu'ils racontent. Et donc, c'est un, un, un élément vert la possible réalité de ces choses. Donc il me semble, sans, euh, sans vouloir trahir la parole de, de John Mack, qu'il en était arrivé à la conclusion que ce phénomène est en réalité vé euh, véritable, réel. Ceci est un premier élément. Deuxième élément, toujours dans le domaine scientifique et militaire, je le rappelle encore une fois, il y a eu le rapport Cometa, qui a été fait par des généraux, des scientifiques de différents, différents horizons, sur le phénomène ovni. Et qui a conclu que la plus vraisemblable réponse, c'est que nous sommes effectivement visités par, des, euh, par des, euh, des, une intelligence ou des intelligences euh, extraterrestres, que c'est l'hypothèse la plus probable au regard de tout le travail scientifique et militaire de, de recherche, d'accumulation euh, et de, de, de faisceaux d'indices qui existent. Donc, à la fois d'un point de vue psychologique, psychiatrique, donc de sciences médicales, et à la fois d'un point de vue de, de sciences plus dures et militaires, il y a différents, différentes recherches, différents faisceaux qui pointent, qui pointent vers le, le fait que nous sommes en réalité effectivement visités, pour l'instant c'est un terme un peu, un peu vague, euh, par des, des ou une civilisation extraterrestre. On pourrait encore plus loin inclure les expériences de prise de psychédéliques dans lesquelles souvent sont rapportées la rencontre avec des extraterrestres. Alors ici c'est vraiment extraterrestre au sens large. Un extraterrestre, je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est pas forcément un être qui vient d'une autre planète. Ça peut être un être qui vient d'une autre dimension, qui vient d'une autre ligne de temps, pourquoi pas, euh, passé, futur, etc. Mais c'est vraiment au sens, au sens de non originaire de la Terre dans cette ligne de temps, si je dois être très précis. Et donc dans les expériences de psychédéliques, il y a comme ça la rencontre avec des entités non humaines. On peut encore une fois dire euh, que c'est de la de l'affabulation, du, du fantasme, puisque c'est euh, que ça s'est fait sous la prise de drogue. Mais on peut avoir une démarche bien plus scientifique et non biaisée et essayer de de voir que si ce phénomène est récurrent à travers le temps, à travers les le, la planète, euh, peu importe le, le background, le, le bagage. Culturelle de la personne, on rapporte peu ou prou toujours la même chose, même si ce ne sont pas toujours les, les mêmes apparitions euh, euh, en images qui se manifestent, ça, j'en sais rien, mais on peut voir qu'ici, il y a une consistance. Donc, il y a tout un tas de, de phénomènes comme ça, qui, s'ils étaient étudiés, étudiés pardon, de façon scientifique et non biaisée, sans a priori, concourent à nous faire prendre conscience qu'effectivement, nous ne sommes pas les seuls dans l'univers et que non seulement il y a de la vie ailleurs, mais il y a aussi de la vie intelligente, et que non seulement il y a de la vie intelligente, mais il y a aussi de la vie très avancée au point de pouvoir venir nous visiter. Voilà. En tout cas, j'espère avoir montré que cette question de pourquoi est-ce que s'il y a des extraterrestres, ils n'atterrissent pas sur la pelouse de la Maison Blanche est complètement immature, infondée, et qu'il faut arrêter avec ça. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des commentaires, exprimez-vous dans le respect. Je vous adjure de vous intéresser de façon non dogmatique et non fantasmée sur le sujet des ovnis, plus spécifiquement des extraterrestres, parce que l'ovni, c'est l'engin qui permet de se déplacer. Il y a une, un intérêt à savoir comment ces engins marchent, etc., parce que ça peut nous apporter quelque chose au niveau scientifique et au niveau peut-être des problèmes énergétiques, etc., que l'humanité rencontre. Mais ce qui, de mon point de vue, est encore plus intéressant, ce sont les occupants éventuels de, euh, de ces aéronefs. Parce que c'est toujours le côté humain, ou en tout cas de l'intelligence de la vie, qui est euh, le plus euh, fondamental, le plus intéressant, le plus enrichissant. Et à la fois, il ne faut pas être naïf sur le fait de, de penser que ça serait des, des sauveurs, et forcément des êtres bien intentionnés, ni tomber dans le contraire de penser que ce sont nécessairement des envahisseurs. Je pense qu'il y a peut-être un peu de tout ça, euh, et qu'il y a certainement plusieurs civilisations euh, extraterrestres qu'elles nous visitent ou pas, mais en tout cas qui existent euh, dans l'univers. Mais de toute façon, je vous invite à vous intéresser à ce sujet de façon froide, sans biais, sans fantasme, sans espoir. Euh, euh, on peut avoir des espoirs, mais je veux dire sans plaquer euh, une idéologie ou une croyance. Il ne s'agit pas de croyance, il s'agit d'étudier des faits. Même si les faits sont par définition sur ce sujet assez difficile à cerner. Et je termine sur un dernier point qui aura échappé à certains d'entre vous peut-être, mais ça fait déjà plusieurs mois que les États-Unis ont officiellement dit, même si j'ai l'impression que ça n'a pas été clair pour tout le monde, qu'ils ne sont pas à l'origine de ces phénomènes et qu'ils ne pensent pas que ces phénomènes viennent d'une quelque autre société humaine, russe ou chinoise. Pourquoi Parce que ce phénomène est beaucoup plus ancien que le développement de ces sociétés-là et aussi bien plus avancé encore aujourd'hui. Que toute société humaine américaine, chinoise, russe, européenne ou que sais-je. Voilà. Et comme d'habitude, je termine par le triptyque de notre beau pays liberté, égalité, fraternité. Vive la France et vive l'humanité qui marche vers plus de maturité et de sagesse.